petit rappel des leçons qu'on a déjà travaillées. Donnez-moi les titres des leçons qu'on a déjà travaillées. Mouta. Le passé, le présent. Le passé, le présent, le futur. Omar. T'as dit? L'infinitif et groupe de verbes. Oui, quoi encore? Et aussi, on a travaillé les pronoms personnels sujet. Lorsque je dis le passé, le présent, le futur, aujourd'hui, c'est le présent. Hier, c'est le passé. Demain, c'est le futur. L'infinitif, c'est le verbe qui n'est pas conjugué. On a combien de groupes de verbes? On a, t'as dit, trois, lesquels? Dméry? Omar? Les verbes de premier groupe se terminent avec? Deuxième groupe avec? Troisième groupe avec? Oui, alors aujourd'hui on va travailler les verbes de premier groupe. Le présent du verbe de premier groupe et on va expliquer. Aussi on a travaillé les pronoms personnel, sujet. On a travaillé les pronoms personnel, sujet. Donnez-moi les pronoms personnel, sujet. Je, tu, il, elle, nous, vous, elle, elle, avec S. Je, tu, il, elle, nous, vous, elle, elle, avec S. Regardez la première phrase. Je joue au ballon. Je joue au ballon. On a déjà dit. À côté, croisez bras à sort. À côté de sujet, on a le verbe. À côté de sujet, on a le verbe. À côté de sujet, on a le verbe. Alors, je joue au ballon. Où est le sujet ici? Où est le sujet? Derrière? Je. Très bien. Je, c'est un pronom personnel sujet. Où est le verbe? Melda? Joue. Je joue. C'est le verbe jouer. À l'infinitif, croise tes bras, croise tes bras. L'infinitif, c'est le verbe jouer. C'est un verbe de premier groupe qui se termine avec ER. L'infinitif du verbe de premier groupe se termine avec ER. Alors l'infinitif, c'est jouer. Je joue. Joue, c'est un verbe ici, il est conjugué, mais ici, il est à l'infinitif. C'est un verbe de premier groupe. La deuxième phrase. Ali, écoute les conseils. Où est le sujet? Où est le sujet? Oui, Dméry? Ali, c'est le sujet. C'est un nom propre. Ali, où est le verbe? Et les autres? Rien? Écoute. Regardez. Joue. Et là, un E. Écoute. L'infinitif, c'est écouter. L'infinitif, c'est écouter. On a joué ER. Écouter ER. Regardez la troisième phrase. C'est un cas exceptionnel. Nous allons à l'école. Nous allons à l'école. Oui. Alors, on continue notre travail. On a dit, je joue au ballon, c'est le verbe jouer. Et Ali écoute les conseils, le verbe écouter. Nous allons à l'école, c'est le verbe aller. Le verbe aller, ce n'est pas un verbe de premier groupe. C'est un verbe de troisième groupe, mais il se termine avec ER. C'est un verbe... C'est un verbe irrégulier. Il ne suit pas cette règle. Il ne suit pas cette règle. Pourquoi? Parce qu'on a ici une règle. Les verbes de premier groupe, elles ont des terminaisons. On va les voir tout de suite. Alors, travaillez avec moi. E. E-S. E-O-N-S. E-Z. E-N-T. Répétez. Du verbe de premier groupe.
Ce sont les terminaisons du verbe de premier groupe. Il faut l'apprendre par cœur. Répétez.